prière nocturne, c'est l'histoire d'un frère et une sœur colombiens qui ont vécu son adolescence pendant une période très difficile de l'histoire récente de la Colombie. C'est l'époque de présidence de Álvaro Uribe, quand il y a eu une atmosphère de violence très très forte, mais pas dans une violence de guerre physique, mais c'était plutôt une ambiance, une atmosphère violente et un climat d'accusations, de méfiance. La Colombie était divisée entre patriotes et terroristes, plus ou moins, et c'était une atmosphère tellement forte, tellement contaminante, et qui est des gens fragiles comme les adolescents de mon roman et ont été très touchés par ça. Il faisait partie d'une famille de classe moyenne dont le père est devenu un de ces patriotes de l'époque de Uribe, et hyper violent, avec une définition très 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 agressif de la société, c'était exactement ça qui était un peu à la mode à l'époque. Et donc, dans cette famille-là, il y a ces deux frères et sœurs, qui c'est tout le contraire, c'est des jeunes artistes, ils adorent la littérature, le cinéma, la musique, l'art. Et donc, eux, ils commencent à planer une fuite. Ils veulent échapper la maison, la ville et le pays qu'ils détestent. Il déteste cette société et avec cette espèce d'atmosphère vraiment étouffante. Et donc, dans ses rêves de fuite, et il y a la sœur qui c'est elle la plus forte. Lui, il est moins âgé, il est plutôt fragile et c'est elle très très forte qui commence à mener une espèce de lutte contre toutes ceux qu'elle déteste dans cette Colombie, dans cette ville de Bogota de l'époque. Elle est pleine de rage et pleine d'envie de vengeance. Donc elle commence à s'opposer à tout ça, mais en même temps à planifier la fuite. Et d'un jour à l'autre, elle disparaît. Elle disparaît. Donc quelques années après, le frère décide d'aller la chercher. Il a des indices et il pense qu'elle est un nazi. Donc en allant la chercher, il va tomber sur une espèce de piège à Bangkok et il est arrêté. Et accusé de trafic de drogue. Et là, il y a le troisième personnage qui apparaît, qui c'est le consul de la Colombie à New Delhi, qui est appelé pour mener le cas d'un grand citoyen qui est arrêté à Bangkok, et qui là-bas, le trafic de drogue, c'est la condamnation à mort. Donc il va suivre le cas de ses concitoyens, il apprend l'histoire de ce jeune, c'est un jeune philosophe, Et donc, il décide de continuer la recherche de la sœur avec les indices que le frère lui donne. Donc ça, c'est le troisième personnage, c'est un consul. Donc c'est un roman, d'un côté, comme dit le personnage d'Emmanuel, qui est un des caractères, c'est un roman d'amour, parce que c'est l'amour entre frère et sœur, pas incestueux, juste un amour fraternel. Mais c'est en même temps une espèce de roman noir, dans le sens dont on fait une recherche de quelqu'un qui est disparu. Et c'est une recherche qui nous amène de Bangkok à Tokyo, de Tokyo à Téhéran et à New Delhi. Mais en même temps, on a l'histoire de la Colombie des années 2002 à 2010. Et puis, bon, il y a d'autres éléments dans les romans, comme le personnage du consul, qui c'est un consul très littéraire, donc comme par respect à des auteurs comme Malcolm Lowry ou même Graham Greene, donc c'est un consul un peu alcoolique qui est lui-même un écrivain, un type solitaire et qui décide et qui retrouve dans l'histoire de ses deux frères une espèce de chance de vie. Et donc il décide que c'est une responsabilité pour lui, presque morale et esthétique, les aider. Donc Prière nocturne, c'est l'histoire de cette consul qui essaye d'aider ses deux frères et sœurs à se retrouver.